collègue. Aujourd'hui, je fais appel à vous car j'ai besoin d'aide. Le mercredi 14 avril, aux alentours de 20h, le livret de l'animateur parfait a été volé. Rachel, la directrice de Cap sur tes vacances, m'a demandé de trouver le coupable. Vous trouverez des vidéos, des interrogatoires que j'ai faits, ainsi que des indices sur le lien en pièce jointe. Je compte sur vous, à lundi. Suspect numéro 1, Mémé Kawait. Suspect numéro 2, Max Lapuenta. Romain Dos Mio Lagusta. Suspect numéro 4, Malika DiCaprio. Suspect numéro 5, Asni Tarafima. Lena Plus, suspect numéro 6. Où étiez-vous le soir du vol à 20h? Le soir du vol à 20h, j'étais dans mon bureau avec Malika. Nous discutions de la réunion. J'étais déjà partie. À 20h, j'étais rentrée chez moi parce que mon chat, il est très vieux, il est malade, il a toujours faim. Donc j'étais obligée d'aller lui donner à manger. J'étais dans la cuisine, je faisais une pause. Alors j'étais dans mon bureau avec Asni. On était en train de faire le point sur une réunion de la veille. On n'était pas d'accord, on s'est un peu disputé, même bien disputé d'ailleurs. Le soir du vol, j'étais à l'imprimante. Il fallait que je prépare l'activité origami du lendemain. Alors, j'étais en train de ranger le garage et de préparer le matériel pour l'activité du lendemain matin. Avez-vous remarqué quelque chose en particulier à ce moment-là dans l'enceinte du bâtiment? Oui, j'ai vu Maxime et Romain partir en courant, donc je les ai vus de la fenêtre de mon bureau et ils partaient de l'issue de secours à côté de la cuisine et j'ai l'impression qu'ils cachaient quelque chose sous leur pull. Absolument pas, parce que j'étais tellement concentrée dans ma préparation d'origami que j'ai rien vu, rien entendu. Oui, j'ai entendu Malika et Asni se disputer très fortement dans leur bureau. Ouais, j'ai vu Lena courir dans le couloir. À part moi et Malika, il y a Lena qui est passée et qui nous a fait un petit coucou. Et juste après, j'ai remarqué qu'il me manquait mon trousseau de clés. Les semaines précédant le vol, avez-vous remarqué des comportements anormaux de la part de vos collègues? Oui, j'ai vu Asni récupérer des choses dans le bureau de Rachel. Ouais, c'est Malika qui s'occupe de mettre l'alarme de l'aglo. Et là, hier soir, j'ai vu qu'elle ne l'avait pas mise. J'ai juste vu Asni qui a donné à Mémé les codes du coffre parce qu'elle voulait soi-disant récupérer des papiers de Cap sur tes vacances dedans. J'ai juste vu ça. Alors, il y a des petites choses qui m'ont intriguée parce qu'en fait, mon bureau, moi je suis très maniaque, il est toujours bien rangé, bien droit. Puis là, je sais pas, il y avait des petits trucs qui avaient été bougés, qui étaient déplacés. Alors peut-être qu'on a pu farfouiller, qu'on a pu déplacer des objets, des choses comme ça. Je sais pas, mais peut-être. À part voir Lena se faire sermonner par Rachel, je me demandais même pourquoi. Autrement, rien d'autre. Donc j'ai vu Maxime et Romain à plusieurs reprises dans la semaine précédant le vol monter dans le bureau de Rachel, poser des questions, observer. C'était assez bizarre parce que d'habitude ils sont plutôt passifs et ils vont pas forcément dans le bureau. Et là c'était étonnant qu'ils y aillent aussi souvent. Soupçonnez-vous quelqu'un? Et si oui, pourquoi? Je soupçonne Mémé parce que c'était la seule à ne rien faire à ce moment-là. Et elle avait les codes du coffre. Et elle a toujours voulu être animatrice, donc c'est le bon moyen de récupérer le livret pour devenir animatrice. Je soupçonne quand même Lena parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, les clés ont disparu. Je l'ai vu dans le bureau de Rachel se faire un peu sermonner. Et Mémé a peut-être en l'air. J'espère qu'elle n'a pas laissé le code écrit quelque part. Elle note tout, comme elle n'a pas de tête, elle note beaucoup de choses. Je ne sais pas, mais peut-être que j'avais vu traîner Lena plusieurs fois qui passait, et puis j'avais le code du coffre, mais il était bien planqué, il était rangé sous le figuier de Madagascar. Mais on ne sait jamais, peut-être que vu qu'il y a des choses qui sont déplacées, elle aurait pu le trouver. Et
ben, je les soupçonne tous les deux du vol du livret de l'animateur parce que je pense qu'il vaut vraiment beaucoup d'argent et je les vois bien le revendre pour pouvoir mener une vie de luxe à Lyon, tous les deux. Je soupçonne Asni de vouloir récupérer le livret qu'elle a écrit parce que c'est elle qui l'a rédigé et je sais très bien qu'elle veut le récupérer. Ouais, je soupçonne Malika parce qu'elle vient d'arriver à l'aglo et qu'elle aurait besoin du livret de l'animateur pour apprendre le métier d'animateur et du coup pouvoir se faire une place au sein de l'équipe.